Faut-tu regarder la caméra ou bien quoi? Les bracelets, t'es vois-tu? Ouais. Puis toi, tu vois-tu mes chaînes, là? Mais là, on commence à parler, là. Moi, pour moi, je veux dire, le monde me demande si je suis punk ou je suis new wave, mais pour moi, je suis mon style que je m'ai créé moi-même. Puis, je veux dire, le monde dira ce qu'ils voudront de ce que je suis. Mais moi, pour moi, là, je veux dire, je suis moi, tu sais, je veux dire... T'es punk. Ben... Parce que moi, quelqu'un qui propose, puis on pose souvent nos deux, puis... Puis là, le monde ne savent pas trop s'il y a des heavy metal ou des punks. C'est là où ben, le monde nous traite de tous les deux de heavy metal ou bien tous les deux de punk. Puis là, c'est elle qui capote quand elle traite de... Là, c'est moi, punk, je suis là. Punk, non, pas trop, c'est fou. Puis là, le monde, ça traite. Je dis, ah, mais oui, mais t'es quoi, vous êtes quoi? Elle est punk, pas moi. Le monde dit que je suis punk, ça me dérange pas, tu sais. Le monde dit que je suis new wave, mais quelqu'un va me dire que je suis heavy metal, par exemple. Il va dire, là, tu sais, tu backtripes pas mal. Parce que moi, heavy metal, j'ai horreur du heavy metal. Fait que je chercherai pas partout à être heavy metal. Rock. Ben, c'est parce qu'il y a rocker. Ben, il y a rocker puis heavy metal. Le monde peut dire ça me m'a fait, mais rocker, c'est plus un coup de cœur puis des jeans, OK? Puis ça a l'air un peu plus dur comme milieu. Puis heavy metal, c'est déchaîné. Pas déchaîné, mais t'es presque quasiment en pogne, mais t'es un peu pogne, pas pogne, mais en tout cas. Plus original, puis tu peux te mettre, tu t'habilles un peu n'importe comment. Puis, on nous dit que t'es du métal. puis c'est plus rare, aussi. Tu vois du monde, les côtes de cuir, des jeans s'envoient partout, mais... Ben, je sais pas, c'est parce que moi, des filles, disons, comme moi, il n'y en a pas beaucoup, t'es des extravagantes, là, il y en a moins, puis des punks extravagantes comme elles, non plus, il n'y en a pas beaucoup, plus bon. On est venu qu'on s'est rencontrés, puis t'es envoyé qu'on était un peu... On était... un peu les mêmes goûts. Ouais, un peu les mêmes goûts, puis que... T'sais, on n'était pas comme tout le monde, sauf qu'elle était punk, puis moi, j'étais pas... J'étais métal. On n'aimait pas la même musique, mais t'es... On s'est parlé, puis on a vu qu'on s'entendait un peu, t'sais, puis là, finalement... C'est bien dans un estime ensemble. Mais ça s'est passé drôlement comment on s'est rencontrés. C'est que moi, c'était la première fois que j'allais à l'Arcane. Hein. Je me tenais jamais là. Tout à coup, ça me tente, j'allais deux, trois fois. Là, tu sais. Puis là, je la vois, je commence à y parler. Tu sais. Puis en y parlant, je voyais que de ce qu'elle pensait, elle, je le pensais moi aussi. Je me disais, dans le fond, la différence, ça n'a pas d'importance. C'est pas à cause qu'elle est de même que moi, tu sais, je ne parlerai pas. Tu sais. J'y ai parlé, puis j'ai vu que je ne suis pas contre partout. Je trouve qu'elle est super smart, puis je veux dire, je trouve que ce qu'elle pense, je le pense, puis j'aime ça parce que quand on veut faire des affaires, des fois, puis ça n'étend pas, elle me le dit, puis moi aussi, tu sais, puis on s'entend, tu sais, je veux dire, depuis que je la connais, on s'est jamais chicané, puis je trouve ça bizarre parce que chaque fois que je me tiens avec une fille, tu sais, je suis toujours pognée sa chicane, tu sais. J'aime pas ça me chicaner, mais moi, c'est la première fille là, que je me tiens avec, là, que je me chicane pas, tu sais, qu'on s'entend vraiment bien. Tu sais, je suis loin de les ailleurs parce que c'est des points, tu sais, moi. Ben, je connaissais pas trop ça, la musique punk, je savais pas c'était quoi, pis... Mais tu sais, je savais, ben, j'en avais déjà entendu, mais tu sais... je savais pas trop comment ils trippaient les autres, pis... Pis là, ben, ça m'a l'air, je sais, pis... En tout cas, je verrais pas punk pour ça. Ah, le monde, ça nous regarde de travers souvent, les filles surtout, les filles, ça... Nous regardent, là, pis... Ils nous des jalouses, ils nous, t'sais. Moi, je me suis fait souvent dire... par des chums. « Ah, ma chum, elle t'aime pas pantoute. » Je suis là, pff, comment ça, j'ai jamais parlé, je la connais pas.
Elle dit, ouais, elle aime pas ton genre, elle aime pas ton genre. Moi, je suis là, mais c'est une fois, c'est une conne. Moi, ce que je t'ai. Pas aimer quelqu'un que tu connais même pas, que t'as jamais parlé de ta vie. Ouais. Puis tu vas lui dire que tu l'aimes pas, tu l'aimes pas à la face, là. Ah, c'est bon. De toute façon, ceux-là qui disent ça, c'est qu'ils sont racistes. C'est comme elle, c'est TV Metal, moi, je suis punk, l'autre est puppy, puis l'autre est homosexuel. Puis il y en a qui sont contre ça. Quand ils te regardent, là, tout de suite dans la face, ils te disent. Elle est TV Metal, on l'a eu. Ou elle est punk, on l'a eu. Elle a des culottes de même. C'est pas beau, je l'ai eu. C'est comme je si tu dirais que quelqu'un est chinoise, on va l'haïr à cause qu'elle est chinoise. Elle vient d'un autre pays. Comme nous autres, on est punk TV Metal, là, à cause qu'elle est punk, puis elle est TV Metal, là, on va les haïr parce qu'elles sont habillées de même. Ça a-tu du bon sens? Moi, je trouve ça super con. Raciste, complètement raciste. Ah ouais. Non, mais c'est parce que les filles. Peut-être pas toutes, mais la plupart, ils aiment bien ça se faire regarder, t'sais, surtout par les gars, t'sais. Ben, ça se faire remarquer, mais. Parce que des fois, il y a une fille, elle va se faire remarquer par les gars, mais, disons, on va passer par là, puis on va se faire remarquer peut-être un peu plus qu'elle, puis ça va la rendre jalouse, puis. Peut-être que ça, nous aimera pas, là. Dans le fond, des filles qui nous regardent à travers, mais ils voudraient devenir comme nous, mais ils n'ont pas le courage, parce que. Ben, il y en a qui. Mais il y en a quand ils nous voient, là, automatiquement, ils disent elle s'habille de même, ben c'est une salope. Elle s'habille de même, c'est une plotte. Tu sais, à cause que dans les films, là, souvent, on voit une fille, tu sais, habillée comme nous autres, à peu près, qui vont dire, ils vont mettre eux autres, là, dans ce style-là, comme se prostituer sur un trottoir. Tu sais, vraiment, là. Vraiment, nous autres, on n'aime pas le style à se battre pour des trottoirs, puis on n'est pas le style, tu sais, à se donner à tous les gars. Tu sais, vraiment. Complètement, moi, j'ai horreur des machos, j'ai horreur des gars qui vont arriver à côté de toi, j'ai une proposition à te faire, puis, ou bien qui vont dire comment tu charges pour une nuit. Ça me fait vraiment chier. Elle virait un mot québécois, ça me fait chier. Vraiment, là. Bon. Elle monte souvent, ils se disent, ils me regardent la manière que je t'habille, puis tout mon style, puis ils s'inventent, faut la faire. Ou bien ils pensent, je me suis fait traiter de joie de vache. Il y a un gars qui a dit, il a de l'air vache, ta fille, là. Le gars, il me connaissait, puis il savait que j'étais super smart, tu sais, puis il a dit ta gueule, tu sais. Le gars, il a plus rien dit, il a dit ça, c'est plus une vache, puis en tout cas, je me suis fait traiter de salope aussi, de la manière que je t'habillais. Il y a bien des gars qui sont venus. des bonhommes, là, qui sont venus me demander combien que je chargeais, puis des gars disent jamais, là. C'est parce que le monde ne savent pas c'est quoi la différence entre un heavy metal ou ben. Un extravagant, puis une salope, une pute, c'est loin d'être ça, tu sais. C'est pas. Moi, je suis pas habillée comme une salope, tu sais, je sais pas comment c'est habillé une salope, ou ben. Putain, mais en tout cas, c'est loin d'être mou. Puis le monde, faut jamais se fier aux apparences. Moi, ils peuvent se fier aux apparences parce que j'aime le heavy metal, mais à part ça, tout le reste, j'ai de l'air bête, que j'ai une face de baveuse. Oh non. Si moi, jamais, tu vas me voir, là. Dans un autobus, ou n'importe où, dire à ma chum, check ça, robe. Jamais. Même si je pense, je me dis dans ma tête, qu'est-ce que c'est robe, ça l'est? Qu'est-ce que c'est l'est, ça robe? Faut regarder dans ma tête, peut-être se dire en sortant à ma chum, mais jamais pour qu'elle comprenne ou quoi, pour la blesser intérieurement, parce que moi, j'ai assez souvent été blessée sur mon habillement ou mon style, tu sais. Il y en avait qui viennent me dire, c'est dégueulasse. Il y en avait qui, de la façon du genre que je me maquillais avant, je me maquillais pas de même, tu sais. J'en avais encore plus épais, puis le monde se disait entre eux, elle a l'air d'une monstre. Moi, je savais pas, mais ça venait toujours à moi. Toujours des mes mirages. Finalement, quelqu'un venait me le dire. Il y a déjà du monde qui ont dit, t'avais l'air d'une folle, d'une monstre. Puis c'est blessant, c'est éplaté. T'as l'impression que tout le monde t'haït, tout le monde te regarde. Puis c'est vrai que tout le monde te regarde, mais t'es. Moi, il y a le mémérage en tout le monde, là, non. Moi, je m'ai fait assez écœurer là, quand j'étais flow, là. Qu'à cette heure, je me ferais plus écœurer, puis je me ferais plus piler ses pieds. Puis ça, je vous en passe un papier. Puis je vais vendre ma salade. Je suis bien dans ce que je suis. Puis les autres, qui sont pas bien, ben c'est leur trouble. C'est tout. Pour le monde ordinaire, là, tu sais. Ils ont comme peur de nous approcher, ils ont comme peur de venir nous parler, tu sais. Parce que à cause qu'ils pensent là, qu'on a des bracelets, on est habillés de même, ou bien comme elle a des chaînes, ou bien comme en tout cas à cause qu'on a un style à nous autres, ils pensent automatiquement qu'on est du monde, là, qu'on va les cogner, tu sais. Arrive pour me parler, puis je te cogne, tu sais.
Puis nous autres, on pense pas ça pantoute. Moi, j'aime ça dire salut au monde. Le monde passe dans la rue, ça me tente de leur dire salut, je les connais pas. Je leur dis salut. Crème, je veux dire, moi, j'aime ça, tu sais, j'aime ça être mat avec le monde. Tout le monde est gêné pas mal, il faut nous adresser la parole, puis on a peut-être bien qui pensent qu'on n'a pas de l'air sociable, mais on est peut-être bien les plus sociables. Une gang des plus sociables qui n'est pas en ville, puis... Dans mon village, je trouve ça un peu trop... Le monde est un peu vieux jeu pour moi. Le monde sont habitués de rien voir. Comme... Comme je faisais ça, ma mère, elle aime ça que j'aille à la messe. Elle adore ça. Fait qu'elle m'amène le dimanche pour aller à la messe. Mais moi, j'aime pas bien ça, aller à la messe, tu sais, parce que le monde, tu check partout. Fait que moi, je fais exprès, je me pack de chaînes, je me pack de bracelets, puis je m'envoie les lignes. Puis ma mère, tu sais, je veux dire... Tu sais, elle dit rien, elle avait capoté, là, mais je veux dire, là, elle capote moins. Je veux dire, moi, je me dis, crème, ils vont en prendre, c'est quoi, comme je suis, tu sais. Je sais pas, c'est bien l'heure que dans toutes les villes, il y a du même mirage quasiment autant, chez eux avec, l'autre bout. Mais qu'est-ce qui est colon, c'est parce que tu vas aller sur Saint-Jean, tu vas te faire regarder comme si de rien n'était. Puis, t'es quasiment, puis que tu te promènes sur le chemin Saint-Louis, sur le boulevard Laurier, le monde, ça te regarde, hey, on n'est pas sur Saint-Jean ici. Puis ben, ça regarde, puis ça capote. Ben, ils disent, est-ce que vous passez l'Halloween? Ça m'insulte assez. Tu dis non, toi. En tout cas, faudrait que tu restes tout dans un trou, comme ça, c'est un chien quand t'es habillé de même. Ou bien, faudrait que tu t'habilles normal quand tu te poses en rue. Non, pas bien, bien. Pour eux autres, il faudrait que tu sois ordinaire. Puis pour eux autres, il faudrait que tu sois mouton. Puis c'est tout. Il faut que tu suives les autres. Pour eux autres, c'est ça. Si tu suis pas, ben t'es le mouton noir. Puis moi, j'aime autant être le mouton noir parce que. Être tout le temps avec une gang qui suivent tout, j'aime pas ça. Fait que, en tout cas, tant qu'à être ça, j'aime autant être de même. Ben, moi, ce que j'ai eu, là, c'est que quand le monde me demande, tu vas-tu rester tout le temps comme tu es? Est-ce que tu vas toujours rester de même? Ou bien, le monde, quand tu vas aller travailler, ils t'engageront pas, ils me disent ça. Mais moi, je me dis, quand ils me disent, tu vas-tu rester tout le temps comme tu es? Mais dans ce temps-là, je leur dis la même réponse. Toi, est-ce que tu vas rester tout le temps comme tu es? Dans ce temps-là, ils savent plus quoi répondre. Ben, il y en a qui me demandent, t'es-tu punk? T'es-tu new wave? Dans ce temps-là, je leur réponds, t'es-tu toi, toi? Tu sais, je veux dire, c'est comme si tu demanderais ça. Tu demanderais ça à je sais pas qui, à Joe Blow. Tu demanderais, tu t'appelles, comment ça? Depuis quand t'es Joe Blow? T'es-tu Joe Blow, toi? Tu sais? Là, tu vas demander, Joe Blow, vous allez dire, ben oui, je suis Joe Blow, toi, t'es-tu Martin? Tu sais, quand même, là. On va essayer de faire changer l'opinion du monde. Ils vont bien comprendre un jour. Capoter le monde, moi, c'est pour le faire triper, tu sais, les vieilles madames, les vieux bonhommes qui ont jamais vu ça dans leur vie, pis ça te regarde, traumatisé, des fois, il y en a qui sont choqués, là, moi, je vais leur apprendre que le monde n'est plus comme dans leur temps, en tout cas. Moi, des fois, il y a des tripes qui me passent, j'aime ça provoquer, j'aime ça, tu sais, choquer le monde. J'aime ça provoquer pour leur dire, changez un peu, restez pas dans votre trou crime. Arrêtez d'être démoutant. C'est trippant de se faire regarder, hein. Moi, je m'habille de même pour faire regarder. C'est pas pour rien. Et crime, je vais me faire remarquer. C'est bonnac. Je me fais pas remarquer. Si je passerais incognito, là, je serais assez découragée. J'ai passé incognito longtemps, puis je peux dire quelque chose, c'était juste se faire le martyr. Castor, je vais plus souffrir. Entrez là. Qu'est-ce que... Ça n'a pas dans le rapport, excusez, le toaster est brisé. Mais je veux dire, moi, ce qui est plus important quand je vais veiller, c'est mon peigne. Alors, je vous avertis, à toutes les fois que je vois passer quelqu'un dans la rue puis que je le connais, je lui demande un peigne parce que moi, je suis maniaque du peigne. À 3 minutes, il faut que je me peigne. Puis quand il y a une vitre d'auto proche qu'on voit assez bien, il faut que je m'admire. Tu sais, j'adore les miroirs. Puis eux autres aussi m'adorent. Avec les moyens du bord, on se fait embarquer. Puis moi, je...